Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing avec la société Funcells. Donc c'est mon deuxième unboxing, c'est la deuxième fois qu'ils font confiance. Je suis très contente qu'ils me fassent confiance. Je connais cette boutique pour déjà avoir fait des objets de chez eux, j'en suis très contente. Alors, on va prendre d'abord cet objet. Alors, cet objet, vous le connaissez, hein, c'est pas une nouveauté de... Mais c'est un objet que j'adore et que je trouve super pratique. C'est une alternative au cadre. Il y en a de plus en plus qui le font et je trouve ça super. C'est... pour mettre les affiches. Voilà. Alors, vous avez les pompons là, le ruban. Vous mettez autour, vous passez le petit truc là. Et hop, vous pouvez mettre vos DP de 30-40. Et ils peuvent aller jusqu'à 30 par 50. 30 par 60, pardon. On va bien vérifier que ça fait bien 30. Alors, 30, bien sûr, c'est avec les bords noirs. Donc, vous pouvez mettre des DP de 25. Ce 35. Donc, sans les bords blancs. Vos DP en 30-40 avec les bords blancs, ils rentrent. Voilà. Aujourd'hui, je vais ne pas vous filmer comme je veux. Oh, il va falloir que je change. Alors, cet objet, c'est un objet. Hein. C'est que j'ai eu en partenariat. Et là, non, je vais mettre une heure à remettre dedans. Je vais remettre dedans. Bon. Attention, on y va. Voilà. Et ce cadre est au prix de 2,12 livres sterling. Le deuxième, c'est la seule boutique à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, qui fait du Killing. Alors moi j'ai choisi une fille. Alors vous savez, vous avez déjà vu du Killing fait sur ma chaîne. Voilà. Alors, ouverture. Voilà. Alors je vais essayer de faire tout. Ce kit est un kit parfait pour commencer. Pourquoi? Vous avez tous les outils, vous avez la règle, la cleaning, une pince, les stylets. Alors, je vais vous les ouvrir pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous avez un pic pour vous aider et le stylet ou
ou le stylo, comme vous voulez, qui a une fente pour tourner les papiers. Donc, dans ce kit, vous avez tous les outils, plus les papiers. Et, c'est ça, alors, il vous montre tous les points là, de base. Comment faire des fleurs et tout ça. Bon, c'est écrit en chinois, mais bon, vous pouvez vous y retrouver d'après les dessins. Puis il y en a sur des chaînes. Alors moi, j'ai choisi cette femme avec des ronds, avec une robe jaune argentée. Et là, je sais pas si vous allez bien le voir, vous avez le brouillon. Donc, par exemple, là, vous devez faire un petit cercle, là un grand cercle, et la dame par elle-même est dessinée. Donc c'est parfait, vous avez tout pour commencer. Il vous manque juste un tube de colle, mais ça vous en trouvez partout, hein. La colle d'action et tout, font très bien l'affaire. Voilà. Et ce qui ne gâche pas le plaisir, si vous voulez tester le killing, donc vous avez tout le matériel, tout ce que vous voulez. Je crois que c'est la seule boutique à ma connaissance. Hein. Je sais pas, je réfléchis, je vois que qui font ça. Donc voilà. Et le truc de trading est au prix de 3,05 €. Voilà. Donc, un kit complet pour 3,05 €. J'ai trouvé ça vraiment pas cher. À comparer de certains sur Amazon ou quoi. Et nous avons encore deux objets. Moi, que me tient dans le cœur. Voilà, donc j'ai déjà testé le killing et les toiles de chez Funcell à titre personnel. Et la qualité est au rendez-vous, hein. Vous pouvez y aller, hein. Façon, si j'avais eu un problème, vous le sauriez. Alors, cette toile, je l'ai vue. Et j'ai craqué. Elle est en diamant rond. Les diamants sont arrivés en sachet zip. On adore. Et cette toile, bah, vous l'avez déjà vu passer. Vous l'avez beaucoup aimée. Moi, la première. Elle est juste waouh. Alors, donc. Merci ou pas Patricia Di Muro, ma pâte chérie d'amour. Et oui, c'est la beauté violette de pâte. Donc, sa femme violette avec la couronne, voilà. Elle est juste sublime. Alors, comme pâte, elle est en 40-50 et elle va rendre, mon Dieu. Ouf! Donc, cette toile est à 5,99 €. Alors, l'objet d'après, ça fait longtemps que je le ziote. J'hésitais à le prendre. Parce que généralement, ce genre d'objet, je ne trouve pas très d'utilité. Mais ce modèle-là m'a beaucoup plu. Donc, ça arrive dans une boîte déjà. Nous avons du bulle. Nous avons un système. Des aiguilles, un socle. Donc, vous l'avez compris. Des diamants. C'est une horloge.
Mais comparée aux autres horloges, celle-ci se pose. C'est-à-dire que vous avez le socle et vous mettez votre horloge sur le socle comme on peut le faire pour une figurine. Voilà. Je vais l'ouvrir. Et elle tient. Alors, je vais faire attention de ne pas abîmer les aiguilles. Alors, je regarde comment ça se met. Donc, vous avez le socle. Et ça, ça doit être par là, je suppose. Comme ça ou comme ça, je ne sais jamais avec leur sens. Waouh! Donc ça va là-dessus avec ça, je suppose. Oui. Peut-être que j'enlève les plastiques. Et ben voilà. Et voilà. Voilà, vous avez juste ça à enlever. Donc, ça, ça va là. Ça sera plus facile. Donc, ça sera plus facile, oui. Si ça veut bien rentrer. Voilà. Donc, ça vous fait ça. Après, alors, je ne voudrais pas essayer de la mettre parce que, voilà, vous avez une petite encoche là. Parce que là, vous voyez, vous mettez votre personnage dessus, vous le mettez comme ça. Alors, je n'appuie pas parce que je ne veux pas qu'elle rentre, après je vais mettre 3 heures, et ça vous fait votre horloge. Et bien sûr, comme vous l'aurez reconnu, c'est simple, c'est la belle et la bête. Or, il y a quand même pas mal à diamanter, hein. Donc, j'ai trouvé cet objet super mignon. Voilà. Alors, pour arriver à abîmer, il faut le faire, hein, parce que vous avez bien vu comment il était emballé. Voilà. Donc, je remercie beaucoup la société Fencel. L'horloge est au prix de 8,99 €. Et vous avez tous les 7 nains. Voilà. Et voilà. Je remercie encore la société Fencel pour m'avoir fait une confiance une deuxième fois. J'espère que cela va continuer. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!